Donc voilà, donc je viens d'animer un club de lecture organisé par l'ambassade du Brésil et la librairie portugaise et brésilienne dans cette belle librairie qui est l'EXC à Paris. Et donc c'est un club de lecture autour d'un livre que j'ai traduit il y a quelques années, qui était un long projet que j'avais depuis très longtemps, qui s'appelle Mon oncle le Jaguar et autres histoires. Donc ce sont des nouvelles de cet écrivain brésilien, João Guimarães Rosa, qui est connu surtout pour son livre Diadorim, Grandes Aventuras. Et donc voilà, on a parlé de ce livre qui est composé de 9 nouvelles absolument pour moi éblouissantes. Et ça a été très intéressant, on a discuté beaucoup et les gens étaient, je pense, j'espère, ravis d'en parler. Ce recueil de nouvelles a reçu 2 prix de traduction en 2016 et 2017. Et puis surtout, il a reconnu une assez grande renommée en étant accueilli pour l'Agrègue de lettres modernes l'année dernière, je crois, et encore cette année. Et donc depuis, les ventes ont augmenté. Enfin, ça a été, voilà, j'ai pu faire trois éditions de ce livre. J'ai corrigé des petites coquilles dans la deuxième édition et dans la troisième, j'ai changé des choses aussi un peu. Donc voilà, c'est un livre qui a connu un certain succès. Enfin, j'en suis très content. Voilà.